Maintenant, tape ton nom. Ou si tu l'as déjà vu sur la liste, clique dessus. Clique sur « Entrer » quand tu as fini. Ah, un nouveau joueur! Bienvenue dans la Chine ancienne! Mushu! À ton service, grand ancêtre! Tu n'as qu'un mot à dire! Et... Silence! Sur ces parchemins magiques, j'ai raconté la légende de Mulan. Emporte-les à la cité impériale et remets-les à l'empereur. Il fera connaître son histoire jusqu'aux coins les plus reculés de l'Empire. Et ne les fais pas tomber! La magie pourrait s'en échapper. Hé, je contrôle la situation? J'espère bien! Ils sont plus précieux que ta vie, Mushu. Ne les fais pas tomber, Mushu. Ah! Oh non! La magie s'échappe! Où est-ce que tu vas? Tu es de service avec moi! Nous devons retrouver ces parchemins et leur rendre leur magie! Commençons par le village! Mais où peut bien être ce parchemin? Où est ce maudit parchemin? Wow! Voyons ce que raconte ce parchemin. Il y a longtemps, dans la Chine ancienne, vivait une jeune fille appelée Fa Mulan. Mulan voulait apporter l'honneur à sa famille en impressionnant la dame marieuse. Mais le jour du rendez-vous, elle était en retard. Oh non, ça ne dit pas ce qui s'est passé au village. Regarde ces mots décolorés. Il manque une partie de l'histoire. Elle a dû tomber quand le... premier ancêtre, oui, c'est ça, a laissé tomber le parchemin. Comment allons-nous l'y remettre? Émerveillant. Étonnant. Impressionnant. Émerveillant. Ah, Peeling, tu es à l'heure. Tu feras une épouse parfaite. Je dois me préparer pour la dame marieuse. Il y a longtemps, dans la Chine ancienne, vivait une jeune fille appelée Fa Mulan. Mulan voulait apporter l'honneur à sa famille en impressionnant la dame marieuse. Mais le jour du rendez-vous, elle était en retard. Émerveillant. Oh, catastrophe! Maintenant, il y a des criquets partout! Je suis assez débordée. Peux-tu m'aider à trouver des porte-bonheur pour Mulan? J'ai besoin d'une pomme pour la sérénité, d'un pendentif pour l'équilibre, de perles de jade pour la beauté et d'un criquet pour la chance. Apporte-les-moi quand tu les auras trouvés. Maintenant, file! C'est exactement ce que je voulais. Va chercher le criquet porte-bonheur! Mille merci, honorable joueur. Va chercher le pendentif porte-bonheur! Non, j'ai besoin du pendentif noir et blanc.
Laisse tomber les autres pendentifs. Donne-lui simplement celui qu'elle veut. Comme tu es gentil. Va chercher le collier porte-bonheur. Non, non, j'ai besoin du collier de jade blanc. Mince, ce qu'elle est difficile. Tu ferais bien de lui donner le bon collier. Tu es bien gentil. Suivant. Très bien, tu as réuni tous les porte-bonheurs. Je dois prendre un bain et m'habiller. Et c'est ça sur le chat. Et c'est ça sur le chat. C'est glacé. Il y a 10 minutes, c'était chaud. Mulan se dirigea vers le village pour y prendre un bain. Oh, j'ai pigé le plan. Tu as fait quelque chose pour remettre en place la partie de l'histoire qui manquait. Continue de cliquer et nous allons remettre de la magie dans ce parchemin en un rien de temps. Pour aider Mulan à réussir, grand-mère Fa collectionnait des porte-bonheur. Mulan se dirigea vers le village pour y prendre un bain. Ata précipita. Dirigea Ata. Il y a longtemps, dans la Chine ancienne, vivait une jeune fille appelée Fa Mulan. Mulan voulait apporter l'honneur à sa famille en impressionnant la dame marieuse. Mais le jour du rendez-vous, elle était en retard. D'abord, il faut que je m'habille. Es-tu prête à remplir tes devoirs envers ta famille? Oui, Dame Marieuse. Tu es une jeune fille très respectueuse. Oh, merci, Dame Marieuse. Si tu es prêt à te rendre chez la couturière, clique ici de nouveau. Bienvenue à la boutique de la couturière. Mulan a besoin de ton aide pour s'habiller avant d'aller chez la dame marieuse. Il y a des chapeaux et des perruques, des costumes, des chaussures et différents accessoires à choisir. Si tu veux imprimer pour ta poupée en papier le costume que porte Mulan, clique sur le livre. Toi, Mulan, tu paraîtras belle dans l'un de mes vêtements. Oh, dépêche-toi, petite, la dame marieuse t'attend. Oui, dame couturière. Tu as entendu la dame? Moi aussi, j'aurais besoin de nouveaux vêtements. En fait, j'aurais besoin de vêtements, point. Si tu veux voir d'autres vêtements, clique sur les flèches. Eh, c'est très joli sur elle. Essayons-la sur moi pour voir de quoi j'ai l'air.
Ceci te reconduira au village. Si tu es sûr de vouloir y retourner, alors clique de nouveau. J'espère que je ferai une belle mariée. Mulan, dépêche-toi. Je t'ai préparé ta robe. J'arrive. La couturière. Je crois que je suis prête pour la dame marieuse. Je crois que je suis prête pour la dame marieuse. Nous ne pouvons pas laisser Mulan aller chez la dame marieuse sans ses porte-bonheur. Prends ceux de grand-mère et donne-les à Mulan. Verse le thé, Mulan. Oui, dame marieuse. Oh ! Oh ! Tu as peut-être l'air d'une mariée, mais jamais tu n'apporteras l'honneur à ta famille. Jamais ! La maison de Mulan. Ceci te conduira à la maison de Mulan. Clique de nouveau si tu veux y aller. Maintenant que nous lui avons rendu sa magie, nous pouvons l'emporter. Si j'étais un parchemin, où serais-je ? Oh, bravo! Coincé dans un arbre! Comment va-t-on l'attraper maintenant? Il nous faut quelque chose à lancer sur le parchemin pour le faire tomber. Je savais que ça marcherait! Hé! C'est pour un os! Couchez, petit frère, couchez! Le père de Mulan avait été appelé pour combattre les Huns. Inquiète pour son père, Mulan décida d'y aller à sa place. D'abord, elle coupa ses cheveux pour ressembler à un homme. C'était ça ou se laisser pousser la moustache? Affronter, repousser, combattre. Par ordre de l'empereur, un homme de chaque famille devra servir dans l'armée impériale. Mon père se sent trop faible pour rejoindre l'armée. Je dois y aller à sa place. Ne t'inquiète pas, petit frère, je te promets de revenir très vite. Mulan dit au revoir à petit frère avant d'enfourcher son cheval pour rejoindre l'armée impériale. Ah, voilà l'endroit où la famille de Mulan garde l'armure. Pour ouvrir l'armoire, clique sur le panneau jusqu'à ce que tu vois un animal du zodiaque chinois. Bonne chance! Ah, l'armure de son père. Il vaudrait mieux la porter à Mulan. Attends un peu, je ne savais pas que Mulan était une dame de fer. Elle revêtit l'armure de son père. Oh
non! Mon petit frère essaie de se rendre utile, mais il ne met pas les bons objets dans la sacoche de Mulan. Tu dois retirer ces objets et mettre dans la sacoche les choses dont elle a réellement besoin. Blerk, il y a de la baffe de chien là-dessus. Si j'étais toi, je le jetterais par la fenêtre. Non, nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Vite, remplis la sacoche pendant que petit frère est occupé. Les jouets de petit frère sont à leur place dans la cour. Vite, remplis la sacoche pendant que petit frère est occupé. Les jouets de petit frère sont à leur place dans la cour. Non, nous n'avons vraiment pas... Vite, remplis la sacoche pendant que petit frère est occupé. Bravo, tu as rempli cette sacoche pour Mulan. Je crois que je suis prête à partir. Ne t'inquiète pas, petit frère, je te promets de revenir très vite. Allons au temple pour voir ce que les ancêtres pensent de ça. S'ils n'étaient pas déjà morts, je crois que ça les tuerait. Veux-tu visiter le temple et réveiller les ancêtres? Si oui, clique de nouveau. Mushu, il est l'heure de réveiller les ancêtres. Il faudrait être deux pour faire ça. Que dirais-tu de sonner le gong pendant que je supervise? Clique sur la maillotche et au boulot! D'accord, voilà ce que tu vas faire. Il faut que tu réveilles les ancêtres en faisant sonner les gongs. Mais fais attention, certains gongs vont les rendormir. Si tu réveilles tous les ancêtres, tu gagneras une carte culture chinoise édition limitée à imprimer. Alors fonce! Regarde encore, le gong a réveillé ses ancêtres. Oh, ce gong les a endormis. Regarde, le gong a réveillé un ancêtre. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne voudrais pas être à sa place. Ah, ils étaient déjà réveillés. Félicitations, tu as réveillé tous les ancêtres. Je savais que tu en étais capable. Tu pourrais te faire embaucher comme réveil matin, tu sais. Et comme récompense, tu gagnes une carte culture chinoise édition limitée.
Si seulement elle avait hérité de mon esprit, en plus de mon physique avantageux. Si tu veux imprimer ta carte, clique ici. Ouais, maintenant, si tu veux rejouer, choisis un niveau et les ancêtres se rendormiront. Si tu veux retourner dans la maison de Mulan, clique sur les escaliers. Mulan doit avoir ce si j'ai des âmes, je ferai quelque chose. Problème. Elle pourrait revenir victorieuse. La maison. Les jeunes d'aujourd'hui n'en prendront jamais causé de problème. C'est clair, ils sont devenus grâce de compteur. Attends, ça c'est bien. D'accord, c'est l'heure de vérité. Tu sais garder un secret ? Bon, j'ai fait croire aux ancêtres que j'étais le grand dragon de pierre pour qu'ils me nomment gardien de Mulan. Tu n'en parles à personne, hein ? Les ancêtres de la famille Fa voulaient envoyer un gardien redoutable pour protéger Mulan. Mais Mushu prit sa place. Aïeux, esprit. Mulan dit au revoir à petit frère avant d'enfourcher son cheval pour rejoindre l'armée impériale. On a réussi ! Toute la magie est revenue dans le parchemin. Ceci te ramènera au village. Clique de nouveau si tu veux y aller. Le camp militaire. Veux-tu aller jusqu'au camp militaire? Si oui, tu n'as qu'à cliquer ici. Viens ici, Parchemin, viens vite, viens voir Mushu. Excuse-moi, pourrais-tu prendre ce filet et attraper le parchemin avant qu'il n'atterrisse sur ma noble tête? Nous avons le parchemin, mettons-nous en chemin. Je fais des vers. Mulan arriva au camp militaire. Elle eut beaucoup de mal à s'adapter aux autres soldats. C'est pas vrai! Quelqu'un ose casser les pieds à Mulan? C'est ce que nous allons voir! Quelqu'un a emprunté le sac de riz de Mulan. Aide-moi à inspecter ses tentes, tu veux? Oh, des trucs gratuits! Tu pourras les échanger avec les autres soldats! Vous vous rassemblerez rapidement et en silence chaque matin. Je veux un volontaire pour retirer la flèche. Vous aurez besoin de discipline et de force. Merci d'être volontaire, Ping. J'ai un couteau. J'échange contre un peigne. J'ai une brosse de bain. J'échange contre un couteau. J'ai un peigne. J'échange contre un porte-bonheur en jade. L'affaire est faite. J'ai une brosse de bain. J'échange contre un couteau. J'ai un couteau. J'échange contre un peigne. À une prochaine fois. J'ai une brosse de bain. J'échange contre un couteau. Tu es un sacré vendeur, toi. J'ai un miroir. J'échange contre une brosse de bain. C'est tout à toi. J'ai un sac de riz. J'échange contre un miroir. J'aime ta façon de faire des affaires. Mulan aurait pu les perdre, mais tu les as retrouvés. Relax, concentre-toi. Ne fais qu'un avec le poteau.
Tu devras monter au poteau avec les disques de pierre liés à tes poignets. Une véritable action virile, pigée. Je crois que je sais comment y arriver maintenant. Bravo! Réfléchissant vite et avec détermination, Mulan releva le défi du capitaine Chang et réussit. Tous les soldats l'acclamèrent. À présent, ils étaient prêts à combattre les Huns. Acclamèrent. On a réussi! Toute la magie est revenue dans le parchemin! Si tu es sûr de vouloir jouer au Mahjong, clique de nouveau. Tu as trouvé le jeu de Mahjong du général, alors je vais t'apprendre à y jouer. Tu dois prendre toutes les pièces du jeu deux par deux. D'abord, trouve une pièce libre. Une pièce est libre quand un de ses côtés, à gauche ou à droite, est libre et qu'aucune autre pièce ne la recouvre. Ensuite, trouve une autre pièce libre identique à la première. Tu m'as compris? Qu'est-ce que tu dirais de faire une partie? Mais d'abord, décide si tu veux jouer tout seul, contre un ami, ou contre Yao, Ling ou Xianpo. Alors, tu décides quoi? Si tu veux faire une nouvelle partie, clique encore. Je n'aurais pas fait mieux. Cette pièce n'est pas libre. Regarde, c'est contre... Désolé, essaie encore. Si tu as besoin d'aide, clique ici. L'une de ces pièces ne ressemble pas à l'autre. Essaie encore. Tu es génial! Exactement pareil! Jeu, set et match. Bravo! Exactement pareil. Tu es génial!
Hey, tu piges vite. Tu dois avoir un bon professeur. Moi, pardi. Bonne manœuvre. Exactement pareil. Bravo! Hey, tu piges vite. Tu dois avoir un bon professeur. Moi, pardi. Jeu, set et match. Bonne manœuvre. Wouhou! Qui c'est le champion? Qui c'est le champion? À part moi, bien sûr. C'est vrai, c'est toi. Et pour le prouver, gratuitement, tu gagnes un diplôme qui proclame ta supériorité au monde entier. Clique ici si tu veux imprimer le diplôme. Si tu veux faire une autre partie, choisis un niveau et un adversaire. Tu peux aussi décider de jouer tout seul. Tu es trop modeste, presque aussi modeste que... Si tu veux faire une nouvelle partie, clique encore. Ce serait un honneur de jouer avec toi. Hé, hey, tu veux un conseil? Clique ici. Maintenant, trouve une pièce libre et identique. Cette paire vaut 9 points. Coup impressionnant. Cette paire vaut 7 points. Cette paire vaut 8 points. Cette paire vaut 10 points. Bien joué. Je te salue. Tu as été le meilleur. Félicitations. Tu es un excellent joueur. Wouhou ! Bravo ! Tu as joué comme je l'aurais fait. Je dois avoir une bonne influence sur toi. Si tu es prêt à retourner au camp militaire, clique de nouveau. Mon bras me fait mal à mourir. Il faut que je pose ça un instant. Si tu es sûr de vouloir aller au col de Tang Shao, clique de nouveau. Oh, arrête de rire et aide-moi. Merci de briser la glace. Il faut que je m'entraîne au lance-flammes. Les soldats marchaient dans la neige en passant le col de Tang Shao. Avant la bataille, certains sont glacés de peur. Neige. Parfois, je m'étonne moi-même. Ça...
Ping, tu es blessé. Un médecin! Si tu es sûr de vouloir aller sur le lieu de l'avalanche, clique de nouveau. Comment va-t-il? Ce n'est qu'une simple blessure de flèche, mais il, c'est elle. Elle? C'est exact. Votre soldat est une femme. Une femme? Soldat, en avant! Tu nous as trahis. Je dois faire quelque chose, maintenant. Mulan découvrit que Shanyu avait survécu à l'avalanche. Elle courut vers la cité impériale pour alerter l'empereur. Vie réalisa. Les soldats découvrirent que Mulan était une fille. Ils l'abandonnèrent et marchèrent vers la cité impériale. Le chef des Huns, Shanyu, conduisait l'attaque. Mulan battit les Huns en utilisant le dernier canon pour déclencher une avalanche. Assaut. Invasion. Tout à coup, les Huns attaquèrent. Ils tiraient des flèches sur les soldats. Tiraient. On a réussi! Toute la magie est revenue dans le parchemin! Écoute bien, si je ne récupère pas tout ce matériel, les Huns le feront. Tu devras me guider de case en case avec ta souris ou avec les touches fléchées de ton clavier. Comme ça, je pourrai récupérer nos affaires et faire feu avec le canon, tu comprends? Si je provoque une autre avalanche, les Huns ne pourront nous suivre. Maintenant, surveille nos réserves de cordes et de piquets. Si nous en manquons, je resterai coincé ici. Et ce n'est pas ce que nous voulons, vrai? Alors commençons. Je dois utiliser ces piquets quand je change de direction. Rappelle-toi que tu ne peux pas aller dans un espace occupé par un piquet. Alors fais attention où tu les places. Je l'ai! Ça, c'est le coup de la corde. Je l'ai! Je l'ai, je le garde. Ha ha! Oh, ce sera très utile. Bien joué, c'est le dernier. Maintenant, descendons et tirons au canon. Je me sens déjà mieux. La victoire est à moi! Maintenant, tire sur ma queue pour déclencher une avalanche express! Essayons encore. N'oublie pas de vérifier sur le compteur combien de cordes il nous reste. Ça, c'est le chemin qui te ramène au col de Tunchao. Le camp militaire. La cité impériale.
Si tu es sûr de vouloir aller à la cité impériale, clique de nouveau. Mulan arriva trop tard dans la cité impériale. Les Huns survivants avaient déjà pris l'empereur en otage. Une chance que j'ai été là. Entra. Pénétra. J'arrive trop tard. Ils ont enlevé l'empereur. Vos murs sont tombés. Alors, prosternez-vous devant moi. Vite, lance-le sur les Huns dans l'escalier. L'empereur et votre cité sont à ma merci. Tu ne m'atteindras jamais de là-bas. Votre Majesté, la foule va vous cacher. Mulan secourut l'empereur et affronta seul Shan Yu dans un ultime combat. Sauva, délivra, secourut. Tu veux l'empereur? Il faudra d'abord te débarrasser de moi. Le soldat de la montagne. Ce n'est pas le moment de jouer avec des fruits. Mushu, il faut que tu m'aides. Hé, je suis là. Ouvre la porte. Ouvre la porte tout de suite, t'as compris? Voyons voir, il me faut une grosse fusée. Non, trop petite. Il me faut un grand modèle. Ah ah! Voilà exactement celle qu'il faut pour Shan Yu. Vite, j'ai de la route à faire et du monde à bombarder. Mushu, maintenant! C'était super! Encore une fois! On a gagné! On a aidé Mulan à sauver l'empereur! Nous pouvons rester ici et savourer notre gloire, ou nous pouvons aller chez l'impérial inventeur d'histoire. À toi de jouer, petit rusé! Avec l'aide de Mushu, Mulan vainquit Shan Yu
et sauva la Chine de ses maudits envahisseurs, hein. Mulan secourut l'empereur et affronta seul Shan Yu dans un ultime combat. On a réussi! Toute la magie est revenue dans le parchemin! Si tu es sûr de vouloir aller chez l'impérial inventeur d'histoire, clique de nouveau. Je vois que tu as apporté les 5 parchemins qui racontent la légende de Mulan. C'est vrai, votre... Silence, donne-moi les parchemins. Comme récompense pour les avoir apportés en parfait état, tu pourras jouer à l'impérial inventeur d'histoire quand tu voudras. Merci, votre... Dites, vous n'auriez pas l'intention d'embaucher un gardien impérial par hasard? Je vais vous donner un double de mon CV et... Ici, chez l'impérial inventeur d'histoire, tu peux créer tes images et tes histoires. Alors vas-y, clique sur un fond pour commencer. Regarde tous les fonds que tu peux choisir. Sers-toi de la flèche pour en voir d'autres. Clique sur celui que tu préfères. Voilà toutes les vignettes que tu peux choisir. Sers-toi de la flèche pour en voir plus. Quand tu cliques sur une vignette, tu la choisis. Fais-la ensuite glisser où tu veux dans ton image, puis clique. Si tu veux supprimer une vignette, ramène-la dans la boîte, puis clique. Mulan, c'est la meilleure! Cette vignette devrait figurer dans le dictionnaire à la rubrique « Fille parfaite ». Comment peut-on ne pas aimer ce visage? Tu n'as pas en... C'est exactement celle que je prendrais. Toi et moi, nous sommes d'accord. Bon choix. J'adore cette vignette, presque autant... Mulan, c'est la meilleure! Tu n'as pas envie de la prendre dans tes bras? À mon avis, tu viens de choisir la meilleure vignette. Ouh, Capitaine Chang, garde à vous! Mets ton image en couleur. Clique ici si tu la veux en noir et blanc. Choisis une couleur, puis clique sur une partie de ton image et regarde ce qui se passe. Oh, j'aime ça, c'est cool! Superbe!
j'adore cette image. Mais qu'essaie-t-elle de dire? J'ai besoin d'un texte. Clique sur la flèche pour le choisir ou clique ici pour l'écrire toi-même. Ici, tu peux choisir une musique de fond. Choisis une chanson et tu l'entendras pendant que tu créeras ta fabuleuse histoire. Ouais, ça c'est une musique qui déménage. A-I-M-E, je l'aime. Oh, j'adore cette chanson. Voulez-vous danser? Comment savais-tu que j'aime cette chanson? Tu dois être devin. Sauf... Si tu veux donner un titre à ton parchemin, tape-le ici. Retour chez l'impérial inventeur d'histoire. Charger une histoire. Nouveau parchemin. Annulé. Oh oh. Imprimé. Chantons ensemble. Sujet d'histoire. Je t'assure que nous pouvons faire de la belle musique ensemble. Clique ici et nous chanterons quelques chansons. Choisis une chanson que tu aimes et si tu veux chanter seul, style karaoké, clique ici. Choisis une chanson. Qui pourrait oublier le camp militaire? Écris sur ce sujet. C'est un ordre, soldat.
Si tu veux aller à la grande muraille, clique ici. Si tu veux t'arrêter de jouer, clique ici. Si tu veux recommencer cette partie de l'histoire à zéro, clique ici.